des choses pour mon mari, des vêtements, il y a des choses pour moi, vous verrez, il y a des vêtements aussi pour moi, il y a du make-up, etc. Donc c'est parti. Alors par contre, j'ai pas le ticket de mon mari, parce que c'est lui qui a payé ces petites choses. Ah ben, c'est marqué tout est marqué sur l'étiquette. Alors par contre, il a pris, il fait une taille M, il a pris du L, vous voulez que ce soit un peu plus ample. Donc c'est une chemise en jean, comme ceci. J'espère que vous verrez bien avec l'éclairage. Voilà, comme ceci. Elle était à 10 euros. Voilà, une chemise donc toute en jean. Essayez de mettre comme ça. Comme je sais qu'il y a des abonnés hommes qui me suivent en même temps. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous aussi à tous, même à mes abonnés hommes. Au passage, un gros bisou à GG du 78. N'hésite pas à commenter GG mes vidéos, ça me ferait beaucoup plaisir. Donc, première chemise à mon mari, donc en jean, 10 euros. Voilà, donc elle n'était pas en réduction celle-ci. Donc, il a voulu prendre une taille un peu plus grande. Voilà, 10 euros. Bon, au cas où, si ça lui allait pas, il peut toujours faire changer. Il a gardé le ticket de caisse. Ensuite, il a pris, alors il avait pris un coussin noir pour sa voiture, par contre on ne l'a pas là, voilà, il a pris un pantalon comme ceci, voilà, un pantalon un peu jeans, alors avec l'éclairage, j'espère que ça ira, non là ça ne va pas, là c'est mieux. Voici le pantalon, vous voyez. Bon, c'est un pantalon basique noir. Hein. Comme ceci. Voilà. Et ce pantalon était au prix de... Ah là, il n'y a pas le prix. Et vu que je n'ai pas son ticket... Ah si, il était à 9 euros. Voilà, je vous montre. 9 euros. Et c'est de la marque Denim CD. Voilà. Un basique noir, comme ceci, avec des poches à l'arrière. Voilà. Ensuite, il a pris une chemise grise. Désolée pour le gris, comme ceci. Voilà, une chemise grise. Bah, toute basique, hein. Voilà, il y a des petits côtés petits quadrillés gris ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc celle-ci, elle était au prix de... Voilà, par contre, je crois qu'il n'y a plus l'étiquette. Ben, je ne pourrais pas vous dire, mais ça devait être autour de 10 euros, il me semble. Elle n'était pas très chère. Je n'ai plus l'étiquette. Et il a gardé le ticket, donc désolé, mais c'était pas très cher, ça devait être aux alentours des 10 euros. Voilà. Toujours de la marque... Non, c'est la marque Primark, tout simplement. Voilà. Ensuite, il a pris une chemise. Ah ben, je crois que c'est la même marque que l'autre. Donc, il y a le prix dessus. Donc, les chemises étaient à 11 euros. Je vais enlever le sac. Voilà, c'est à peu près la même que la grise. Voilà, c'est la même marque. C'est la Primark. Et là, celle-ci est en noir. Voilà, toute simple. Hein. Et donc, elle était à 11 euros. Donc, de la marque Primark. Donc, l'autre, c'était 11 euros aussi. Donc pour monsieur, c'est fini, il y avait juste, donc comme je vous disais, un coussin que je ne pouvais pas vous montrer. Donc pour moi, j'espère que j'ai bien gardé les prix, au cas où j'ai ma petite note. J'ai craqué sur un sac rose, un sac comme ceci, bah c'est un sac à dos tout simplement, hein. Il était en solde. Alors j'ai hésité parce qu'il y avait plusieurs sacs qui me plaisaient. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre celui-ci. Alors, je me suis dit, est-ce que je le garde pour le printemps ou est-ce que je peux l'utiliser maintenant. Je crois que je vais l'utiliser maintenant. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient bien.
Donc celui-ci était en promotion au lieu de 12, il est passé à 5 euros. Voilà. Donc ils appellent ça un sac comment? Je ne sais pas du tout. Bon, enfin bref, il n'y a pas de description vraiment. Donc à l'intérieur, il y a un bouton donc, aimanté comme ceci, avec une petite protection sur le bouton. Dedans, donc, on va enlever les petits papiers. Voilà, ça fait bah, c'est une sorte de sac à dos. Hein. Il est quand même relativement grand. Je voulais prendre un petit sac. Et puis je me suis dit, petit sac, ça ne me convient pas. Dedans, vous avez une petite poche qui est pas très grande, mais c'est suffisant. Hein. Vous avez une petite poche comme ceci. Donc, la profondeur du sac est donc comme ceci. Vous voyez, le dessous est comme ceci. Bon, c'est quand même un petit sac. Hein. C'est un petit sac à dos. Et l'intérieur est comme ceci. Et c'est de la marque Primark. Voilà, donc il est pas mal. Donc je pense que je vais l'utiliser là. À part si vraiment il pleut beaucoup, mais je pense que je vais l'utiliser. Et ce qui m'a fait craquer sur ce sac, donc déjà il se resserre, comme vous voyez. Je l'ai trouvé assez sympa. Ce qui est sympa là, c'est le petit cordon à la fois noir et à la fois argenté. J'aime bien le rose, ça fait un peu matelassé et en plus ça peut faire sac à dos. Donc après vous réglez les anses hein, tout simplement. Hein. Et puis pour le prix pour 5 euros, c'était plutôt pas mal. Il y en avait d'autres, j'avoue, qui me plaisaient aussi beaucoup ou qui étaient un peu plus grands, pas de la même couleur, avec une petite poche à l'avant. Je me suis dit bah pour une prochaine fois, pourquoi pas, ou pour mon anniversaire. Je pense que je demanderai des choses de chez Primark. Donc voici pour ce sac. 5 euros, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et moi qui aime bien tenir mes sacs à la main, bah, soit je le tiendrai à la main, soit je le mettrai dans mon dos. Voilà. Donc moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très très beau. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un haut de pyjama comme ceci. J'avais vu dans un haul celui-ci. Je me suis dit, j'aimerais bien le trouver. Il se présente comme ceci. Donc, il est rose. C'est de la marque Love to Lounge en taille S. Il est passé à 5 euros. C'est le Dark Pink. Donc, la marque Love to Lounge. Voilà. Il est comme ceci. Voyez, qu'est-ce qui est marqué dessus? Hello, hello winter. Donc bonjour l'hiver. Voilà, doré avec des petits strass dorés. Voilà, et en taille S. Donc 5 euros le haut. Ensuite, j'ai pris le bas de pyjama comme ceci. J'ai trouvé vraiment très beau. J'avais vu dans un haul celui-ci et je m'étais dit vraiment, je trouve vraiment très très beau. Donc il est comme ceci, hein, c'est le même, c'est de la même marque, sauf qu'il y a juste les petits strass. Vous avez un beau petit ruban comme ceci pour resserrer le pyjama. Regardez un peu. Et donc il se présente comme ceci, donc il est rose pink. Et puis là, vous pouvez le resserrer tout simplement. Voilà. Et celui-ci, il était en taille 34-36. Voilà, c'est ça. Et je l'ai payé 3 euros au lieu de 8. Et l'autre, je ne vous ai pas dit, la réduction, il était à 5 euros au lieu de 9. Donc, ce qui veut dire que pour 8 euros, c'est ça, 5 celui-ci et 3 le pyjama, pour 8 euros, vous avez quand même un beau pyjama d'hiver, je trouve. Hein. Ça vaut vraiment le coup, hein. 3 euros là, franchement génial. 8 euros, vous avez un superbe pyjama, assez girly, assez chaud, avec des manches.
Donc voilà, foncez chez Primark parce qu'en taille S, M, il n'y avait plus grand-chose. Il y avait surtout des L. Donc c'était temps d'y aller. Ensuite, j'ai pris une tunique. J'adore mettre des tuniques avec des leggings. Donc celle-ci, elle était en début de magasin. Donc c'est de la marque Primark. Voilà, une tunique grise comme ceci. D'ailleurs, j'ai une veste qui est de cette couleur. Donc elle est comme ceci, toute simple, avec la petite particularité, c'est les manches. Les manches, elles se présentent comme ceci. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, vous voyez, assez sympa, je trouve. Bon, toute simple, hein. Assez longue. Moi, j'adore mettre les tuniques, des tuniques avec des leggings, tout simplement. Donc, je vous ai dit la marque Primark. Je l'ai prise en taille S. Je trouve que pour du taille S, elle taille plutôt bien, hein. Et celle-ci, au lieu de 14 euros, elle est passée à 7 euros. Franchement, 14 euros, je n'aurais pas prise, hein, parce que c'est quand même pas très épais, hein, vous voyez. 14 euros, je n'aurais pas acheté, mais 7 euros, là, je dis oui. Donc, je l'ai prise, elle était donc à moins 50%. Voilà, moi, ce que j'ai vraiment craqué aussi, c'est pour les manches qui sont plutôt sympas. Ça fait assez classe. Vous voyez? Bon, c'est assez simple, hein. Voilà. Donc, 7 euros, la petite tunique. Et moi, j'ai craqué carrément sur les manches. Voilà. Ensuite, en vêtements, j'ai repris un jean. L'autre jour, j'avais pris un jean bleu foncé. Là, j'ai pris un jean un peu slim bleu clair. Voilà, la marque, c'est Denim Co. Je l'ai pris en taille 38. Super stretchy skinny. La dernière fois, je vous renvoie sur mon ancien haul Primark. J'avais pris bleu foncé. Et là, je l'ai pris un peu style délavé, bleu clair. Voilà, en taille 38. Comme ça me fait deux jeans de chez Primark. Ensuite, dernier vêtement, j'ai tout simplement pris un petit t-shirt pour le printemps. Voilà. Il était à 3 euros. Bon, il ne devait pas y avoir de réduction. J'ai pris en taille 38. Voilà. Et donc, il se présente comme ceci. Donc, je vais enlever la petite étiquette qu'on voit mieux le petit dessin. Donc, ce sont des roses avec marqué New York. Donc, ça, c'est vraiment pour ce printemps. D'ailleurs, c'est la gamme Check Me Out New York. Donc, je pense que c'est... Ben non, c'est la marque Primark. C'était peut-être une édition avec New York. Voilà, 3 euros. Bon, c'est assez fin, hein, mais voilà, c'est un t-shirt pour ce printemps-été, plutôt pour cet été. Voilà, c'est pareil. Moi, j'ai pris 38, j'aurais voulu 36, mais il n'y avait plus. Ou alors, il y avait 34. Je suis 34, ça va faire quand même serré. Donc, si vous voulez des choses en 36, 38... ou même 34, foncez, parce que là, avec les soldes, ça part comme du petit pain. Là, c'était le dernier qu'il y avait. Ensuite, j'ai pris une petite bougie. J'avais déjà pris une petite bougie la dernière fois. Voilà. Moi, c'était pas la même. Vous la verrez dans mes produits terminés, que j'ai toujours pas tourné d'ailleurs. Alors les bougies Primark, j'ai lu plusieurs avis, ça, elles ne sentent pas beaucoup. Celles-ci, elles sentent un peu une odeur musquée. Elle a l'air de sentir légèrement plus fort que l'autre. Donc celle-ci, elle était à 1 euro. Elle n'était pas du tout soldée. Et c'est le Windlower Mido. C'est la marque Primark. Jusqu'à 16 heures de combustion. Midlomendo. Elles sont sympas les petites bougies de chez Primark. Elles étaient à la caisse. J'en ai repris une. Donc celle-ci, je crois qu'elle était à 1 euro. Elle n'était pas soldée du tout.
La dernière bougie que j'avais achetée la dernière fois, elle était à 80 centimes, je crois, et celle-ci était à 1 euro. La small jar candle, donc la petite jarre. Voilà, vraiment très sympa pour une petite ambiance cocooning, même si ça ne sent pas extrêmement fort. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc vous en verrez une prochainement dans mes produits terminés. J'en ai repris une autre. Ensuite, j'ai pris une belle pochette comme ceci de make-up. Ah, le deuxième sac est déjà fini. Je regarde ce que c'est en même temps. Bon, apparemment, vous avez un petit tirage au sort. Donc, je vais peut-être participer. Je vous le dirai après. Connectez-vous simplement à raconteprimark.fr. Pour répondre à un rapide sondage, etc., etc. Bon, pourquoi pas, j'avais pas vu. Enfin bref, donc là c'est une belle pochette de maquillage, une trousse de maquillage de la marque Primark. Elle n'était pas chère, elle était à 5 euros. Voilà, à 5 euros, elle n'était pas du tout soldée, mais franchement, vu la grandeur et la beauté de la trousse, je l'ai prise. Donc je vais l'ouvrir pour voir comment elle est à l'intérieur. Donc évidemment, il y a du papier que je vais enlever. L'intérieur est comme ceci. Vous pouvez quand même mettre pas mal de choses, hein, que ce soit pour partir ou même pour ranger votre make-up pour de tous les jours. Hein. Pour vous mettre vos petits make-up préférés, vous les mettez dedans. Vous avez des petits cœurs roses, noirs. Vous avez Love and Make-up. En doré et en rose. Je l'ai vraiment trouvée super belle, super girly. Donc je l'ai prise et à 5 euros, ça valait le coup. Et c'est de la marque Primark. Voilà, donc vraiment au top. Et ensuite, le dernier petit sac, vous ne serez pas surpris, c'est du make-up. Voilà. Alors, avant, j'ai pris un parfum PS Love Noir. Était à 4,50 €, ça c'était à la caisse. Il y avait des tout petits parfums comme ceci, mais comme ils étaient tous à moitié ouverts, je me suis dit. Et ils étaient à 3,50 €, ils étaient vraiment tout petits, ils étaient assez chers. J'en ai testé un d'un testeur où c'était marqué testeur dessus. Ça sentait bon, mais je m'étais dit, j'avais pas confiance pour les autres, comme tout était à moitié ouvert, il y avait des bouchons qui étaient enlevés, enfin bref. Donc j'ai trouvé ça à la caisse. Apparemment dedans, vous avez de l'Orient. C'est un parfum oriental. Alors c'est marqué tout en anglais. Hein. Vous avez du musc, de la vanille, de la praline. PS Love Noir. Donc vous avez. Donc c'est un parfum oriental. Riche Dark Flowers, alors peut-être qu'il y a des fleurs dedans. Sweetie Séductive, Praline and Vanilla Musk. Donc c'est tout à fait mes odeurs. Hein. Ça a l'air d'être un parfum oriental vanillé. Donc je vais ouvrir parce que du tout il n'y avait pas de testeur. J'ai pas pu voir. J'ai juste lu derrière pour voir si ça pourrait me plaire. Je voudrais bien voir le flacon surtout. À la caisse, vous avez plein de petites tentations comme ceci. Hein. Alors, le flacon. Oh, il est plutôt joli. Il est comme ceci. Il me fait penser au flacon de Chance de Chanel d'ailleurs. Bah écoutez, je vais le tester. Je vais le tester sur mon bras. Ah oui, c'est une odeur assez fruitée. On sent le musc, mais c'est plutôt assez floral quand même. Alors, est-ce que c'est une eau de toilette? Oui, c'est une eau de toilette. Voilà, moi je trouve que le packaging est plutôt beau, hein. 4,50 € et c'est un 50 ml PS Love Noir. Il s'appelle Noir le parfum. Voilà, bah plutôt sympa. Bon, c'est une eau de toilette.
À mon avis, la tenue sera pas exceptionnelle, mais moi, franchement, je trouve qu'ils sont très très bons, donc très contente. Ils sont vraiment très bons. Par contre, je vais pas garder le papier, je pense. Ensuite, j'ai pris un collier, un petit collier rose gold. Voilà, de chez Primark, comme ceci, de la marque Primark à 2 euros. Donc, je vais le déballer parce qu'il y a l'air d'y avoir une longue chaîne. Il y a une petite référence, c'est SS18. Mais sur la note, c'était marqué que c'était un collier double disque. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien avec la luminosité. Vous avez un disque comme ceci, rose gold, un autre avec des petits strass, un collier. Et du rose gold. Donc je vais déplier la chaîne. Enfin, je vais dérouler la chaîne, pardon. Pour voir si elle est grande ou pas. Par contre, ils ont mis du scotch. J'espère que je ne vais pas la casser. Donc 2 euros, c'est un petit bijou fantaisie. Hein, évidemment, il ne faut pas mettre de parfum, de lac ou autre. Hein, et surtout pas saver avec. Voilà, pour habiller une tenue, pour finaliser une tenue, c'est toujours sympa. Ah, je ne vais pas pouvoir déplier parce qu'il y a le... Ah non, c'est bon. Normalement, je devrais... Ah non. Je ne pouvais pas pouvoir le déplier parce qu'il y a le... L'antivol, là. Vous savez, le petit truc comme ceci, là. Mais elle a l'air assez longue. Ah, attendez. Non, je ne vais pas pouvoir... Si je déchire, donc j'ai déplié le petit collier. Voilà, il est comme ceci. Si je mets à l'endroit, ce serait peut-être mieux. Alors, voilà. Donc il est rose gold. Comment ça se fait que j'arrive pas à remettre petite chose à l'endroit? Y arriver avec ce collier. Donc il est comme ceci et il est réglable. Donc, je vais juste voir. Voilà, il s'était tout simplement retourné le collier. Ce qui fait qu'on ne voyait pas le premier petit disque de strass. Voilà, donc il est réglable, hein, tout simplement. Si vous voulez le porter en long ou en plus court. Moi, en général, j'aime bien que ce ne soit pas trop trop long. À peu près comme ceci. Hein. Donc, 2 euros, je me suis dit, je vais le prendre. Voilà. Pour habiller une petite tenue, c'est sympa. Moi, j'adore tout ce qui est rose gold. Donc, c'est le top. Voilà, 2 euros, franchement, ça valait le coup. Ensuite, en make-up, j'ai pris... Alors, j'ai pris deux rouges à lèvres. Premièrement, j'avais vu ce rouge à lèvres-ci. Il n'y avait pas d'étiquette dessus de réduction. Il y en avait plein où ils étaient à 2,50 €. Alors, moi, je trouvais que la couleur était assez belle. Et j'en ai trouvé tout au fond un ou deux, comme ceci. Alors, est-ce que ça a été arraché ou pas, ou toutes les étiquettes n'ont pas été mises. De 2,50 €, je l'ai payé 1 €. Voilà. Et la couleur, c'est le Baby Girl. Baby Girl, c'est un lip velvet, un matte lip cream. Donc, on va faire un petit swatch. Pareil, vérifiez bien si vous voulez... Ce style de couleur, il y avait plusieurs couleurs, qui est bien l'étiquette à 1 €. Voilà. Au lieu de 2,50 €, comme affiché là-dessus. Parce que moi, je voulais le prendre au début, je trouvais que la couleur était belle. Et j'avais donc pris un qui était à 2,50 €. Et heureusement que j'ai regardé un peu dans le fond.
et que j'ai vu qu'il y avait d'autres étiquettes, donc avec la promo, avec plus de 50% du coup. Donc je vais vous faire un petit swatch. Je ne les connais pas du tout, hein. Le seul rouge à lèvres que j'ai acheté, je vous avais fait un petit crash test avec le petit kit. Donc, bon, ça c'est plutôt une couleur pour le printemps. Hop. C'est assez statique le papier, excusez-moi. Alors, il est comme ceci, hein. Je vous ai dit, c'est de la marque PS, donc la marque Primark. Le Lip Velvet Matte Lip Cream, donc c'est un matte. Et c'est le Baby Girl. Non, c'est le Baby Girl, il n'y a pas de numéro. Donc c'est parti pour le swatch. Et c'est une contenance de, j'ai oublié de vous dire, si j'arrive à voir. Info, je vais chez l'ophtalmologue, je crois que j'en ai vraiment besoin parce que là j'arrive pas à voir la contenance, ou alors c'est tout simplement pas marqué. Alors il a été fabriqué en Irlande à Dublin, Primark Limited, crème pour les lèvres. Bon, il n'y a pas de contenance, je vois pas du tout. Bon, enfin bref, on va faire un petit swatch. Donc ça se présente comme ceci, hein. Par contre, il a une odeur de vanille, comme la plupart des glosses. Ah, par contre, il est moins rose que je pensais. Il est entre le rose et le beige. Oui, d'après la petite pastille, il y a entre le rose et le beige. Et voici le swatch. Bon, avec la lumière artificielle, ça va peut-être pas être génial. Est-ce qu'on voit mieux comme ceci? Je pense qu'on voit mieux. Non, c'est pareil. Donc voici ce que ça donne. Donc c'est un mat, hein. Il est comme ceci. À mettre dans son sac, c'est idéal. Dommage que je ne puisse pas voir la contenance. Mais bon, c'est vraiment écrit tout petit, tout petit, tout petit. Bon, c'est juste marqué crème pour les lèvres, hein, tout simplement. Non, il n'y a pas marqué de contenance. Il sent bon. Et j'adore la couleur, j'en avais pas des comme ça. Moi, je le voyais plus ce rose bébé, mais j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent NYX un rose, vous savez, un lip butter rose. Donc finalement, celui-ci, c'est pas tout à fait la même couleur, c'est même mieux. C'est un beige rosé, tout simplement. Et celui-ci, c'est le Baby Girl. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre rouge à lèvres que j'ai mis ici à 2,50 €. Alors celui-ci, il n'y avait pas du tout de réduction. Voilà, toujours de la marque PS, hein, Primark. Est-ce qu'il y a un petit numéro? C'est le Kylie, je crois. C'est le Kylie. Donc on va le swatcher. Donc pareil, vérifier que ce soit bien, qu'il y ait bien de protection, parce qu'il y en avait qui étaient à moitié ouverts. Donc ça, c'est vraiment à vérifier. Et je crois que celui-ci a des petites paillettes à l'intérieur. Mais c'est un mat, hein, il me semble. Couleur pigment vif et fini mat. Donc pareil, il y a 7 ml dedans. Donc la marque PS toujours. Et c'est le Kylie. Super mat. Le 04 Kylie. Donc c'est parti pour le swatch. Donc là l'embout est un peu plus grand. Celui-ci n'a pas d'odeur. Donc c'est un magnifique, comment vous dire, un peu burgundy, un peu rouge cerise. Non, je ne sais pas où j'ai vu des paillettes. Il n'y a pas du tout de paillettes.
Non, c'est un mat tout simplement. Voici la couleur. L'autre, il n'a pas l'air de... S'il se matifie, mais il reste un petit peu satiné. Donc voici pour les deux rouges à lèvres. Donc c'est de la marque PS, Super Matte. Celui-ci, c'est le Super Matte. Rouge à lèvres liquide. Voilà. Et c'est le Kylie. Le 04 Kylie. Et voici le swatch. Et l'autre, donc, je vous remontre. Franchement, je craque sur la couleur. Là, en beige rosé. J'en ai pas du tout des comme ça. J'en ai surtout des roses un peu bébés, je trouve. Et celui-ci, c'est le Baby Girl. Qui était passé, donc, vérifiez bien, à 1 euro. Donc, je suis très contente de ces deux rouges à lèvres aussi. Bon, maintenant, à tester. Mais je vous ferai un petit crash test. J'adore faire ça, des petits crash tests de make-up. Et dernière chose... C'est une palette de maquillage. C'est la Master Eye Palette de chez PS Primark à 9 euros. N'était pas du tout en promotion. J'hésitais à prendre d'autres palettes pour les yeux. Où il y avait trois palettes différentes. Vous en aviez une nude. Vous en aviez une qui ressemblait un peu, entre guillemets, à un dupe de la... Comment elle s'appelle la dernière de chez Urban Decay, vous savez, la orange un peu, orange. La Naked It, voilà, elle me faisait penser à celle-ci. Et celle-ci donc était à 9 euros, je n'ai pas eu de réduction dessus. Ah non, elle est passée à 8 euros. Alors je ne comprends pas du tout, c'est marqué 9. Et là sur le ticket, Master Eyeshadow, elle est passée à 8. Ah, j'ai pas vu de réduction, mais enfin bref, hein, tant mieux pour moi, hein, j'ai payé 1 euro de moins. Donc on va l'ouvrir, donc c'est la Master Eye Palette. Donc j'ai hésité à prendre les palettes cartonnées, comme je vous disais, il y avait des dupes, enfin entre guillemets des nudes. Vous aviez, ça ressemblait un petit peu à Honeycake. Vous avez la nude, vous en aviez une qui ressemblait un peu à la Naked It. On aurait vraiment dit un Naked It. Mais je ne sais pas, ça ne me plaisait pas plus que ça. Le packaging n'avait pas l'air solide. Et quand j'ai vu celle-ci avec du marron un peu pailleté, je vais vous l'ouvrir. Parce que du coup, je ne l'ai pas ouvert du tout. Apparemment, elle est aimantée. Alors ça, c'est génial. Bon, vous n'avez pas de miroir. Voici les couleurs. Donc j'essaie de me reculer un peu parce qu'avec la lumière artificielle, c'est pas génial. On va faire quelques petits swatchs. Donc là, vous avez un jaune un peu irisé. Là, vous avez un magnifique marron irisé. Et comme je vous dis, je vous ferai un petit crash test sur les yeux. Là, vous avez un magnifique bronze aussi. Bon, c'est tout à fait mes couleurs, hein, nacré, marron. Donc voilà les couleurs. Je vais faire les swatchs sur ma main. Je vous en swatch que 3. Alors, hop, hop et hop. Bon, je pense que vous verrez à peu près la pigmentation. Peut-être pas trop sur celle-ci, là, la première. Bon, j'en ai pas pris beaucoup non plus. Et bon, avec la lumière artificielle, c'est pas génial, mais je pense que vous verrez un petit peu. Voilà. Donc, je vous ferai une petite revue, je vous ferai un petit maquillage, un petit crash test. Donc, elle est passée à 8 euros, celle-ci, la Master Eyeshadow. 8 euros au lieu de 9. Bah, tant mieux pour moi. Hein. Voilà, donc elle est comme ceci. Elle est carrée, elle est... Il y a donc 12 couleurs, 12 fois 1,5 g. Voilà. Donc toujours de la marque PS by Primark. Et donc voici les couleurs. Là, je vais vous swatcher celui-ci, là, entre le marron et le violet, on a l'impression. Non, c'est un marron. Voilà celui-ci. Je vais vous faire un dernier swatch.
et je vais le mettre ici. En fin de compte, ils sont tous un peu métallisés. Le premier là que j'ai swatché se voit pas tellement. Peut-être pour unifier la paupière, ce sera idéal. Sinon, oui, les rouges à lèvres se matifient. Hein. Là, le rouge, il n'est pas tout à fait matifié, le Kylie. Mais le baby doll, baby girl, là, on voit qu'il est bien mat. Hein. Alors, est-ce que c'est sans transfert ou pas? Non, par contre, c'est pas sans transfert. Hein. Vous voyez, j'en ai sur les doigts. Mais bon, je suis plutôt contente. Hein. Bon, pareil, comme je vous dis à chaque fois pour les rouges à lèvres mat, il faut toujours mettre un baume à lèvres en dessous. Hein. Ben, écoutez, je suis plutôt contente de la petite palette là. C'est celle qui m'inspirait le plus. Il y avait plein de palettes d'highlighter que je n'avais pas vu la dernière fois. Il y avait une palette d'highlighter gris métallisé. Moi, j'avais pris la dorée que j'adore. C'est vraiment un très gros coup de cœur. Je l'ai mis un peu en highlighter aujourd'hui sur les joues. Mais bon, en fin de journée, là, il est 22 h, donc on verra plus grand-chose. Mais il y avait une palette grise métallisée avec plein de paillettes. Et à l'intérieur, ça me faisait penser au highlighter que j'ai pu acheter chez Action. Vous saviez, où il y avait un peu de bleu, de vert, des highlighters, la palette un peu bleue d'highlighter. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je reprenne ce que j'ai à peu près comme couleur. Voilà. Et bah écoutez, voici pour mon Maxi Haul Primark. Je suis plutôt contente de mes achats. Hein. Je suis très très contente, même pour le petit sac rose. Maintenant, je vous ferai un petit crash test, enfin un petit make-up avec cette palette, avec l'highlighter. Et on va essayer en même temps le rouge à lèvres mat. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été longue, hein, désolée. Donc, dedans, je vous aurais présenté des vêtements pour hommes, pour femmes, du make-up et puis des petites bricoles, des sacs. Voilà, ben, n'hésitez pas à commenter ma vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye bye!